J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et vous l'avez vu dans l'introduction de ce vlog, je suis partie hier, samedi 6 avril, j'étais en train de chercher la date. Je suis partie au salon du livre ou à la foire du livre, je crois que ça se dit, à Bruxelles en Belgique, grâce à ma maison d'édition Ebla Edition. Et honnêtement, ce fut juste trop canon, trop... C'est un de mes derniers salons, j'aimerais tellement en refaire d'autres, mais après avec mon départ au Canada ça risque d'être compliqué. Mais honnêtement, entre celui-ci et celui de Bondu à côté de Lille, j'ai reçu énormément d'amour. À Bondu près de Lille, j'ai eu beaucoup de personnes du coin qui ont adoré, il y en a qui sont venus me voir exprès. J'ai reçu tellement d'amour, ça m'a boosté. D'ailleurs je vous ai partagé tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça là-bas. Je fais des petits réels, des petites choses sympas où je vous ai partagé un peu mon quotidien. Et là en Belgique j'ai rencontré des gens très très sympas, d'ailleurs des mamies qui passaient par là qui m'ont raconté leur jeunesse à Lille et tout, c'était trop rigolo vraiment. Les Belges vraiment... Un pouce en l'air d'ailleurs si vous êtes belge dans le coin, parce que vraiment vous m'avez refait ma journée hier, c'était tellement accueillant, l'endroit était très très beau d'ailleurs. C'était Tour et Taxi je crois, près de la gare maritime de Bruxelles, c'était vraiment très très beau. Et j'ai rencontré aussi une institutrice, parce que là-bas en Belgique on dit institutrice, qui s'appelle Cécile Instit. Je vous mets son compte Instagram aussi ici si ça vous intéresse. Et j'ai papoté avec elle des différences entre le système français et le système belge. Voir un petit peu comment ça se passait dans leurs écoles. On s'est interrogé sur le quotidien de... Alors nous on dit des maîtresses, mais eux ils disent institutrice. Vraiment c'était trop sympa, elle est vraiment adorable. Ça fait tellement plaisir des fois de rencontrer des gens comme ça sur Instagram que je suis, mais j'avais pas mis de visage en fait sur la personne puisqu'on la voit pas beaucoup sur son Insta, et qui voilà, avec qui on partage une passion commune. Elle m'a pas mal reboosté dans plein de choses. Je pense que notre échange a été vraiment enrichissant, et j'ai beaucoup comparé du coup le système français, le système belge et le système canadien, parce que finalement même si je connais pas encore le système exactement canadien, j'ai quelques connaissances, et j'ai remarqué que entre la Belgique et le Canada, il y avait quand même des similitudes, mais que maintenant, la Belge essayait de se rapprocher du système français. Enfin, c'est ma supposition, c'est ce que j'en ai conclu, mais honnêtement, c'était hyper enrichissant de voir les différences, plein de choses hyper intéressantes. D'ailleurs, si vous avez des points à nous partager, dites-moi tout en commentaire, parce que je pense que ça peut m'intéresser. Au niveau des salaires, j'ai cru comprendre que... en Belgique vous étiez mieux payé que les Français, mais je crois que, enfin si j'ai bien compris, au Canada ils sont mieux payés que nous tous. En Belgique maintenant vous commencez à avoir quasiment les mêmes vacances que nous scolaires, alors qu'avant c'était pas le cas. Au Canada il y a moins de vacances scolaires, ça c'est sûr. En Belgique vous finissez à 15h30, pas nous. Nous c'est 16h30 et parfois 17h30 si on fait les APC, donc ils commencent un petit peu plus tôt je crois, et un petit peu moins de pause méridienne. Enfin bref, le système est tellement différent et tellement enrichissant, j'ai trouvé ça trop intéressant. Voilà pour ma petite bulle belge, j'ai vraiment adoré. Et donc là on se retrouve dimanche, c'est l'anniversaire de mon fils, de mon deuxième fils, mais vendredi c'était l'anniversaire de mon premier fils, et mardi c'est l'anniversaire de ma fille. Si vous me connaissez, vous suivez mes vidéos depuis longtemps, j'ai les trois anniversaires en même temps. Je suis tombée enceinte qu'au mois de juillet, d'ailleurs j'ai fait des vidéos grossesse etc, et je tombais enceinte qu'au mois de juillet. Moi j'étais prédestinée à avoir des enfants qu'en avril. Pourquoi j'ai une mèche comme ça là, regardez cette mèche. Et donc j'ai eu tous mes enfants en avril. On dit souvent que c'est les bébés instit ou les bébés prof, parce que je suis tombée enceinte qu'au mois de juillet pendant les vacances scolaires. C'était pas du tout prévu, c'était pas fait exprès hein. Mais voilà, et donc j'ai trois anniversaires en même temps à 2 ans et 2 jours d'intervalle. Et donc là mes enfants ont l'âge de leur jour d'anniversaire, c'est-à-dire 5 ans, 7 ans et 9 ans, le jour du 5 et du 7 et du 9 avril. Je trouve ça trop... sympa pour notre dernière année en France. Enfin, on reviendra sûrement hein, mais on sait pas, donc ça fait, ouais, c'est un petit clin d'œil sympa. Et du coup j'ai fait une déco d'anniversaire que je vous ai partagée aussi sur Instagram, avec j'aime bien faire des décos un peu unisexes qui peut correspondre aux garçons et aux filles. Je suis pas spécialement fan des décorations du style La Reine des Neiges ou Cars, même si je sais que mes enfants adorent hein. Mais l'année dernière par exemple j'ai fait une déco jungle, comme ça je savais que ça pouvait être aussi pour ma fille, tout comme un peu jungle, fleurie,
voyez, donc ça marche pour les garçons et les filles. J'essaie toujours de trouver des décos comme ça, un peu unisexe. Donc cette année, j'ai décidé de faire une petite déco un peu plus noire, colorée, pop, un peu style fiesta, vous voyez. Et du coup, je pense que... Alors, pour leur anniversaire, je leur ai offert une espèce de grosse enceinte avec un micro pour pouvoir chanter et qui fait des lumières partout. Et donc, je me suis dit que ça allait avec la déco. Comme ça, je pourrais leur mettre l'enceinte, la musique et ils pourront faire une petite boum, entre guillemets, leur boum. Voilà, c'était l'idée. C'est pour ça que j'ai choisi. Donc, je leur ai acheté plein d'accessoires colorés qui s'allument dans le noir. Les ballons que j'avais achetés aussi s'allumaient dans le noir, etc. Donc, un peu dark and light, on va dire ça comme ça, comme déco, mais coloré. J'ai acheté d'ailleurs une espèce d'arche qui va me servir aussi pour ma fête de départ au Canada, où là on va faire une déco spéciale Canada, mais vous verrez ça plus tard dans d'autres vidéos. Voilà pour le blabla du jour. Donc aujourd'hui il fait tellement beau qu'on a pu manger dehors, ça fait tellement du bien. Hier on a même fait le barbecue, le premier barbecue de la saison. Dites-moi si vous aussi vous avez fait votre premier barbecue. Et demain, départ à Paris. Alors espérons qu'il fera beau comme là, ce serait vraiment trop cool. Mais départ à Paris pour aller toute la journée avec toute l'école en sortie. Donc on va aller faire du bateau mouche, voir la tour Eiffel et visiter le Stade de France. Et alors moi j'ai eu la chance à l'époque où j'étais dans mon ancien département enseignante, et ben j'ai visité le Stade de France gratuitement en tant qu'enseignante et j'avais adoré. Donc je suis trop contente de le faire avec des enfants. Je trouve que ça va être trop cool de... Voilà. C'est une sortie qu'on, je pense qu'on n'y pense pas vraiment, mais c'est vraiment très sympa à faire avec des enfants. Ça montre un peu le décor, les dessous un peu des sports comme ça, des ambiances de stade. Enfin, j'ai trouvé ça trop canon. Donc j'ai hâte aussi de faire ça demain, mais je vais rentrer claquée et mardi ça va être dur d'enchaîner la semaine. Mais bon, ça c'est une autre histoire parce que mardi c'est l'anniversaire de ma fille. Je voulais vous montrer quelques achats que j'avais fait et quelques réceptions que j'ai eues rapidement dans ce vlog. Premièrement, j'ai reçu la petite crème comme ça, Cicaplast. Alors ça, c'est une crème. Je suis trop contente de l'avoir reçue encore. C'est la Roche-Posay. C'est un baume un peu ultra réparateur, cicatrisant. Vous mettez ça sur des zones très sèches ou sur des cicatrices et ça fait... c'est magique, c'est magique. Donc ça se présente comme ça. Nous, on en a déjà une d'ouverte, donc celle-ci, je ne l'ouvre pas tout de suite. Mais je vous la montre et honnêtement, ça, c'est genre de baume... je l'utilise énormément sur mon fils autour de sa bouche parce que le mien il a tendance à lécher sa bouche et avoir la peau toute irritée. Et voilà, la nuit je mets ça le soir avant de dormir et le matin il a une peau presque nickel. Alors évidemment il a tellement d'irritation puisqu'il le fait très souvent que ça va pas être magique non plus, mais ça répare très très vite, c'est vraiment top. Donc c'est à base de panthénol, madécassocide, désolé je sais pas comment ça se prononce, de tribioma et d'eau thermale de la Roche-Posay. Vraiment trop cool, donc merci la Roche-Posay qui me l'a envoyé gratuitement pour tester, mais moi c'est déjà une valeur sûre, donc je voulais quand même vous le partager ici pour les mamans, pour vous, pour les cicatrices. Moi j'ai une cicatrice au niveau de mon coude là, je l'utilise très régulièrement pour un petit peu apaiser la peau, hydrater la peau, que ça soit une cicatrice souple et qu'il disparaisse plus vite. Donc vraiment je vous la conseille, mais évidemment on n'utilise pas sur des plaies. Hein. J'ai acheté pour mon sac Louis Vuitton pour nettoyer entre guillemets les parties métalliques, en fait ça s'appelle du laiton, j'ai acheté ça Mirror, donc ça m'a coûté 3€ et j'ai cru comprendre que sur les parties métalliques des sacs Vuitton ça permettait de leur redonner une seconde vie, donc je testerai. Ça marche pour tout ce qui est cuivre, laiton, bronze, aluminium, acier, nettoie en profondeur, redonne brillance instantanément, on testera. Et j'ai craqué aussi, alors avant de vous montrer les box hein, du mois, j'ai craqué chez Grain de Malice, j'ai acheté 4 petites choses. Et vous savez, moi ce magasin Grain de Malice, j'adore, donc je vous en parle là, rapidement là. Mais c'est vraiment un must-have au niveau des pantalons là-bas. Et là j'ai acheté quelques hauts, donc moi je prends particulièrement ce pantalon, c'est mon préféré de chez Grain de Malice. Ouais, c'est bizarre d'avoir un pantalon préféré, mais c'est le droit en taille 48. Donc il coûte 36€, j'ai eu une réduction de moins 10% sur toute ma commande. Et celui-ci malheureusement il est jamais en promo, mais il est tellement bien que je le mets tout le temps. C'est vraiment le droit parfait qui... Alors il n'est pas taille haute, vous avez aussi des tailles hautes à Grain de Malice, mais moi là j'ai pas pris taille haute, mais je préfère celui-ci, il est vraiment trop top. Et pour aller avec, je me suis pris ce petit haut là, donc un petit t-shirt basique, hein, vous voyez, je l'ai en blanc déjà et je l'ai en noir, c'était un must-have à 10€. Et honnêtement je l'ai pris en rose parce que je me suis dit qu'avec ma veste de costume un peu noire, tout en noir avec cette petite touche rose en dessous, ce serait canon. J'ai pris la version marinière comme ça, dans le même style. Donc toujours t-shirt col V, parce que maintenant j'aime bien les col V. Avant je détestais et maintenant j'aime bien. Celui-ci est un peu plus cher, il est à 10,99€. Et ici il y a une petite broderie avec écrit love. Hein.
Ouais, c'est brodé comme ça avec le petit love. Donc trop sympa. Et le dernier, c'est le même que le rose mais en bleu marine. Parce que j'avais remarqué l'année dernière que le bleu marine avec mon pantalon legging, jegging plutôt bleu, c'était canon. Du coup, comme mon t-shirt bleu marine, bah, j'ai dû le mettre à la poubelle, j'avais renversé du beurre dessus. Bah là, j'en ai repris un, pareil, 19,99€, avec la petite, le petit liseré doré comme ça. Et ceux-là, voilà, je les ai déjà en noir, en blanc, et je les aime beaucoup, donc je les ai repris hein, en mode must-have. Donc ça, c'était pour grimper ma liste. On va passer à Beautiful Box qui m'offre cette box ce mois-ci, et c'est une box... Alors sur le thème du printemps, des vitamines, faire le plein de vitamines. Donc, comme d'habitude, vous avez les petites cartes qui vous expliquent un peu plus de détails sur les produits. Ouh là là, mais ça a l'air canon. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a une brosse. Ah ça j'adore. Bah, ça je l'ai déjà d'une marque pour cheveux bouclés, mais là c'est la version Beautiful Box. C'est une brosse qui permet de gratter entre guillemets, malaxer le cuir chevelu pendant le shampoing. J'adore l'utiliser, donc je suis contente d'en avoir une autre. Ensuite on a un produit qui a un petit peu coulé, c'est une eau lavande vitaminée nettoyante et apaisante visage et corps. Je ne connais pas, de la marque Angelou, comme ça, une eau lavante. Ah ouais, utiliser au quotidien pour toute la famille, appliquer sur le corps, mouiller, faire mousser et rincer. Donc c'est comme un gel douche. Bon, il a un petit peu coulé dans la boîte, mais bah, écoutez. Et vitaminé, j'imagine que ça a une odeur un peu qui booste. On a un soin démêlant SOS longueur. Alors ça va être parfait parce que j'ai les cheveux de plus en plus longs. Et ça, de la marque Salvoix, à la base de provitamine, comme ça. Donc ça, les soins comme ça pour les cheveux, c'est très bien, ça va être très sympa. Un nettoyant visage multivitaminé Veriberi, un nettoyant solide comme ça. Et moi, j'aime beaucoup les nettoyants solides. Donc à base de fruits rouges comme ça, de fraises. Ça sent bon. C'est tout rose plutôt. Et bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. 100% bio. By Savon Stories. C'est à base d'huile de coco bio et d'eau. Donc d'argile rose, d'huile de baie pardon aussi, concentré de baie de goji, vitamine et concentré bio, concentré de fraises et concentré de grenaille. Que des bons produits à l'intérieur, donc parfait au niveau de la compo. Et il nous reste deux petits produits, un gommage visage doux à la vitamine C de la marque Live Cosmetics, made in France, et un auto-bronzant pré-sérum en quelques gouttes, qui se présente comme ça. Qui, voilà. La gamme, elle est très bien faite, vitamine A et D pour le visage, et c'est de la marque Corem, donc très très bien. Bah écoutez, plutôt conquise par cette box vitaminée, elle porte bien son nom, le thème est respecté, j'aime beaucoup. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez vous aussi en commentaire. Et je me suis pas spoilée, hein. Pourtant ça faisait au moins une semaine ou deux que ça attendait d'être ouverte. Et là, c'est la box, évidemment, la My Little Box, pareil, que j'ai reçue, évidemment, gratuitement. Hein. Je ne gagne pas d'argent quand je vous fais des collabs comme ça, mais je vous en parle gratuitement, je reçois juste les produits gratuitement. Et alors là, aussi, thème printanier, regardez, la box est toujours très colorée, vitaminée, au moins, on est connecté. Hein. On a à l'intérieur un sac. Bon, j'avoue que... Je suis pas hyper fan des couleurs, hein. Ce style de couleur là c'est pas mon kiff, mais ça a l'air d'être un sac un peu style cabas, un peu plage, hein. Le recto verso, alors il est, ah oui, l'intérieur peut-être, le recto verso, l'intérieur vous voyez il est un peu plus clair, un peu plus doux, un peu rose clair, ouais, pourquoi pas l'intérieur, il a l'air plus sympa, donc sacré et réversible. Un sac en coton recyclé et ainsi irrésistible que réversible pour s'accorder à votre tenue, votre mood et vos envies. Plutôt pas mal, c'est un plutôt beau cadeau je trouve. On a un petit carnet dans les mêmes teintes. Non mais ils sont trop forts, un petit carnet de notes là, assez basique mais ça c'est trop cool. Une petite lettre, un petit mot avec le mois prochain, des trucs à scanner, une routine élégante. Bon, je vais pas trop me spoiler parce que je pense qu'il y a des petites informations sur les produits. Et voici le pochon du mois pour la My Little Box. Et on a une eau, qu'est-ce que c'est? Une mousse nettoyante, bah bien, ça tombe bien parce que j'ai fini mon nettoyant visage il n'y a pas longtemps, une mousse nettoyante visage anti-mauvaise mou à base de carottes. Eh, c'est pas mal, j'aime bien le petit jeu de mots. À tester, j'espère que ça sent pas trop fort parce que j'aime pas trop les produits qui sont forts. C'est pas hyper agréable l'odeur mais c'est pas non plus désagréable, donc à voir. En tout cas c'est extrait d'eau de carottes, donc pour nettoyer son visage après le démaquillage. On a ensuite, ah trop bien, bah ça je le connais, je l'ai déjà, hein. C'est l'acide hyaluronique de chez Aromazone. C'est un petit format mais c'est très très bien pour tester, pour emmener en voyage et tout. Trop trop cool, ça c'est un très beau produit. Et on a un produit Polar, trop bien, je kiffe. C'est le baume à lèvres Laponie de chez Polar. Bah canon, et hein, c'est une version teintée comme ça, un petit peu rose. J'aime trop.
Trop bien, parce que le baume de Polar, comme ça, le baume pour les lèvres, je l'aime beaucoup. Mais là, en version teintée, c'est trop canon. Alors pareil, j'aime beaucoup cette box. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle est pas mal. Le sac, je suis un peu moins fan, mais c'est dans la même, dans le même mood. Donc j'aime beaucoup. Je vous mets évidemment les codes promo, les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Bon, vous vous rappelez que dans cette vidéo, dans tous mes vlogs, j'ai décidé de vous faire un concours. Et du coup, évidemment, je vais vous remplir cette box. Donc là, je vais prendre les petits produits qui m'intéressent, mais je vais en laisser pour vous. Et je vous montrerai dans la suite de cette vidéo le concours qui vous attend. Faut que je fasse le tirage au sort du dernier vlog et puis que j'envoie aussi les concours, hein, parce qu'il faut que je les envoie. Il faut que je me bouge les fesses. C'est juste que comme j'ai toujours des week-ends où je suis à par-ci par-là, j'arrive pas à tout faire. Et la semaine je bosse, le mercredi j'ai mes enfants, je gère toutes les trucs extrascolaires. Du coup, vivement les vacances. Je sais que dans certaines zones là en France, il y en a qui sont en vacances, mais moi j'ai tant de rien en fait quand je suis pas en vacances. Donc je vous prépare un nouveau lot dans cette vidéo. Et d'ailleurs, le mot bonus que vous pourrez mettre dans le commentaire, déjà il faut ne pas oublier de vous abonner, de liker cette vidéo évidemment pour me soutenir, la partager, ça vous donnera deux fois plus de chance, et de mettre dans votre commentaire le petit mot vitamine, parce que oui, là le soleil arrive, on a besoin de vitamines. Donc on va mettre ce mot là et je vous prépare un petit lot concours évidemment avec des pépites dedans. Et je vous ai pas dit, mais en ce dimanche, maintenant que j'ai beaucoup blablaté, on va aller visiter une maison made in Harry Potter. Donc on va se retrouver dans l'univers d'Harry Potter d'ici peu. Donc là je vais filer, me changer, mettre ma cape d'Harry Potter et vous emmener dans une maison magique près de Lille où vous pourrez séjourner en mode Airbnb. C'est la gérante du logement qui m'a invité gracieusement à venir visiter et je pense que je viendrai y dormir au mois de décembre quand je vais revenir du Canada. Donc j'ai trop hâte, mais en tout cas je vous fais découvrir ça tout de suite ici. Je vous mettrai évidemment le lien du Airbnb dans la barre d'infos et je vais me changer en mode petite sorcière. Allez go. Et me voici arrivée dans une nouvelle entre. C'est une maison vraiment hyper originale que vous trouvez à Haubourdin, tout près de Lille. Donc si vous voulez visiter Lille et que vous aimez un peu l'univers d'Harry Potter, je pense que cette maison peut vraiment vous plaire, avec trois lits si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai l'annonce. Mais il n'y a que des surprises à l'intérieur, que des merveilles. Je vous montre un petit peu le délire. Mais on s'est habillé en conséquence avec ma fille. On adore, on découvre tout là, on est trop fan. Vraiment, c'est pépite. Je savais pas du tout qu'il y avait ça dans cette ville, tout près de Lille. Vraiment, je suis trop contente de vous partager cette info. Canon. Quand on rentre, on est sur un décor vraiment à l'ancienne, avec le chapeau, des vitrines, des meubles un petit peu à l'ancienne, mais vraiment style château, des vitrines superbes. Et des petites surprises aussi à découvrir. Vraiment, il y a de quoi découvrir pendant le temps d'un week-end. Si vous venez ici, que vous aimez l'ambiance d'Harry Potter, c'est vraiment fait pour vous. Bon, ma fille, elle a déjà sorti les feuilles pour colorier. On a des petits cadeaux de bienvenue. Donc là, bienvenue Karine et ta petite famille. Donc vraiment merci. Camille, la gérante, est trop adorable. Et hop, regardez, elle a même mis des petites gourmandises trop canon là. Sa petite carte. Évidemment, je vais vous partager les infos et tout. Elle a mis un petit ballon aussi pour les enfants, donc ça c'est plutôt canon. Et il y a de quoi découvrir. Donc là, on est dans la cuisine. Il y a un espèce de stickers là qui cache le ballon d'eau chaude avec les escaliers, un peu style château. Le papier peint vraiment que j'avais aussi dans mon ancienne classe. Ici, on découvre une salle de bain, évidemment, qui est vraiment trop belle. Regardez ça. Avec les sirènes, le vitrail là qui est trop beau. Vraiment, tous les détails sont très sympas. Et alors, au-dessus de la baignoire, qui est trop canon, vous découvrez le fameux œuf qu'on peut mettre dans sa baignoire, là, qui est juste ici, à mettre sous l'eau. Bon, logiquement, vous ne mettez pas celui-ci, hein, mais c'est comme dans le film. Vous pourrez faire des photos trop jolies, là, avec le fameux chariot Harry Potter, la voie 9 3/4, vraiment, ça a été trop bien fait. C'est canon. Et d'ailleurs, ça, c'est en vraie brique. Hein. C'est de la vraie brique, vraiment comme un mur de brique. C'est trop beau. Si vous avez envie de vous déguiser et de vous mettre vraiment dans l'ambiance Harry Potter, vous avez tout ce qu'il vous faut
à disposition. Et ça, je trouve ça trop canon qu'elle ait tout mis, Camille, pour vous amuser. Tout est magnifique. Regardez, on a des petits détails. Et alors, pour les chambres, il y a un passage secret, une porte-armoire. Ici, hop. Et quand on ouvre, on découvre les chambres. Je ne vous dis pas tous les passages secrets parce qu'il faut de la surprise, mais il y a de quoi vraiment s'amuser. Le lit, regardez, style lit à baldaquin, à l'ancienne, une cheminée qui s'allume avec une petite LED qui tombe. Enfin, vraiment, la déco est trop, trop, trop belle. Là. Pour les fans d'Harry Potter, je pense qu'il y a de quoi faire. Vous avez donc un deuxième lit ici, en plus du lit à baldaquin, et vous avez d'autres surprises. Regardez ces escaliers. Monsieur Potter. Oui, Harry Potter. Il écrit quoi? Bah, c'est l'adresse. Ah. Est-ce que t'aimes bien? Oui, à l'intérieur, il y a une lettre. Bah ouais, c'est la vraie lettre de Poudlard. T'es content d'avoir visité cet appart? Enfin, cette maison? Oui! Non, je ne montre pas le passage secret, mais il y a un passage secret que Kayla adore. Et là, vous avez donc la galerie des portraits, avec vraiment tous les portraits. Regardez, Reine d'Angleterre. À chaque fois, il y a les noms. Minerva McGonagall qui est ici. On a tous les portraits. C'est trop canon. On est vraiment dans l'ambiance du château d'Harry Potter. C'est super bien fait. Et évidemment, on a la porte là de l'entrée de chez Gryffondor. La grosse dame. C'est juste trop canon. Vraiment, je suis épatée. Et j'ai hâte de revenir du coup pour vraiment dormir ici au mois de décembre. Puisque Camille, avec Camille, on a convenu. Là, je voulais découvrir. Je me suis même mis en tenue Harry Potter avec ma cape et tout, même ma fille. Pour vous faire découvrir le fameux lieu. Mais on reviendra logiquement cet été, non pas cet été du tout, au mois de décembre, pour pouvoir dormir vraiment ici, en mode vraiment Harry Potter. Ça va être trop trop sympa, on va se régaler. Donc, vraiment fan. Bon, je vous retrouve dans le lit baldaquin, il a l'air trop confortable, pour vous annoncer que Camille vous propose de vous offrir un petit jeu de société en famille ou même à deux en couple, un petit jeu Harry Potter quand vous allez louer cet appartement maison, parce que c'est, ouais, c'est entre les deux, il n'y a pas de jardin, mais c'est unique, hein. Je crois pas que vous ayez de personne au-dessus, enfin je ne pense pas. En tout cas, du coup, c'est trop canon, elle est trop adorable de vous offrir un jeu si vous louez et vous pouvez préciser que vous venez de ma part, donc Karine Misbou, je pense que ce sera en petit commentaire, vous pouvez louer sur Airbnb, je vous mets le lien, de toute façon si ça vous intéresse, et vous recevrez un petit cadeau, et ça je trouve ça trop adorable de sa part, donc voilà, merci Camille, évidemment, si vous aimez un peu cet univers, et même si vous n'aimez pas spécialement beaucoup Harry Potter, mais que vous avez envie de dormir dans un endroit un peu insolite, je pense que cet endroit est pour vous, si vous avez des enfants ou si vous allez faire le bonheur des enfants. Vraiment, parce que là, ma fille, elle est venue avec moi découvrir cet endroit et elle est aux anges. Les passages secrets, les cachettes, les accessoires. Vraiment, bravo Camille et son chéri qui ont fait un truc très sympa dans un coin très... alors, le coin n'est pas extraordinaire. La ville de Bourdin, c'est pas la ville la plus sympa, mais elle est pas très, très loin de Lille. Du coup, ça, c'est sympa. Donc, vraiment rien à dire. Il y a la gare juste à côté. Donc, si vous voulez aller à Lille avec le train, il y a tout ce qu'il faut. En 10 minutes, je pense que vous y êtes. C'est très rapide. De toute façon, je pense qu'elle vous met toutes les informations. Mais ouais, je suis contente d'avoir découvert cet endroit. C'est vraiment canon. Ouais! Bravo! C'est moi qui viens de
je vous retrouve dans la suite de ce vlog qui, ma foi, est un peu plus chaotique. La sortie à Paris sur toute la journée était très sympa, mais intense, et beaucoup de bus, mais c'était vraiment super de voir la réaction des élèves. Et ma foi, la vie a repris son cours, mardi, travail, enchaînement. Faut que je continue tout ce qui est carton ici, faut vraiment que j'avance, hein. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire, vente Vinted, carton, envoi de livres à Momox. Et bah voilà, j'ai aussi ma fille qui a des plaques rouges partout sur le visage, d'ailleurs sur les joues et sur le corps. J'ai l'impression que c'est la cinquième maladie, mais je suis pas sûre, la fameuse cinquième maladie, donc à vérifier. Donc j'ai rendez-vous chez le médecin ce soir pour voir. Dites-moi vous ce qu'il en est de votre côté. Ce fut d'ailleurs intensif hein, ici au niveau des anniversaires. Hier on a fêté le dernier anniversaire de ma fille. D'ailleurs la pauvre sur les photos elle est toute un peu boursouflée à cause de je sais pas, son allergie ou la maladie, j'en sais rien. Donc ma foi, voilà, on verra. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, la dernière fois dans mon vlog, je vous avais parlé d'un jeu qui est de vous parler de quelques jeux qui étaient trop canons. Et j'ai complètement zappé. Donc je vais vous montrer un des jeux. Et je pense que vendredi je vous montrerai les autres, ou samedi je vous montrerai les autres. Parce que ça vaut le détour si vous avez envie d'avoir des idées de cadeaux à faire pour vos enfants. Si vous avez justement comme moi des enfants avec des dates rapprochées ou pas, hein, même pour juste un de vos enfants. Ce sont des jeux vraiment très sympas. Donc là je vais vous en montrer un et la prochaine fois je vous en montrerai d'autres. Voici celui que ma copine Laetitia leur a offert. Donc je lui avais donné l'idée parce que vous savez, dans ma classe, une de mes collègues me l'avait fait découvrir et j'avais adoré, que ce soit en classe ou avec mes enfants. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est Gagne ton papa. Alors le nom, je le trouve très très nul, mais il est canon. Alors c'est un jeu un peu deux en un, vous pouvez y jouer à deux et vous avez chacun une carte à respecter avec des formes. Vous devez assembler toutes les formes pour gagner, entre guillemets. C'est un petit peu un jeu de bataille, celui qui va réussir à faire le tangramme entre guillemets le plus rapidement possible. Et il y a plusieurs manches, donc au début on commence avec 3 lignes, 5 formes ou 6 formes. Et puis après on commence avec 4 lignes, il y a 6 formes je crois, ou 7 formes, je ne sais plus exactement. Et puis après on continue avec 5 lignes ou 6 lignes, non attends, 3, 4, 5, 5 lignes et on a un petit peu plus de formes. Et à chaque fois on rajoute une forme et on doit essayer de gagner le plus vite possible. En réalisant son tangramme, je vais y arriver. Vous pouvez jouer aussi tout seul. Donc là, à réaliser, vous challengez tout seul. Et là, vous pouvez réaliser aussi des constructions en équilibre ou des puzzles. Donc vraiment, c'est un jeu un peu tout en un. Et je vous le conseille, il est vraiment canon. Alors il est cher, je trouve. Il est quand même à 30 euros. Mais c'est un jeu en bois qui va durer dans le temps. Parce que celui de ma collègue, il datait au moins, je pense, de quelques années. Elle me disait qu'elle y jouait avec ses enfants qui ont plus de 20 ans. Et voilà, je trouve que c'est un must-have très très sympa de la collection Gigamix, je crois. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. C'est des jeux que j'ai essayé d'avoir d'abord sur Vinted. Il y a d'autres jeux que je vais vous présenter le vendredi que j'ai essayé d'avoir sur Vinted. Mais impossible, j'ai pas réussi parce que les gens le vendent aussi cher que si je l'avais acheté sur Amazon ou dans un magasin spécialisé pour les jeux. Donc je trouve ça dommage. Bon, j'ai pas pu acheter de la seconde main. Mais pas trop le choix, hein. C'était aussi cher ou même plus cher qu'en magasin. Depuis quelques jours, mon compte Instagram est passé en mode certifié. Du coup, il y a le fameux petit signe bleu qui dit que c'est certifié. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur Instagram pour savoir pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement pour la sécurité, le fait d'avoir un compte un peu plus sécurisé, d'avoir un centre d'aide Instagram aussi si vous avez des difficultés ou quelque chose. Et d'être un petit peu plus favorisé, paraît-il. Bon, après ça, c'est ce que Instagram vend. Mais en contrepartie, évidemment, je paye cette certification. Donc si vous voyez des certifications, les trois quarts du temps c'est les gens qui payent, sauf si vous avez plus d'un million, deux millions d'abonnés, ce qui n'est pas mon cas. Là ça, je crois que c'est Instagram qui certifie lui-même la validité de la personne. Mais sinon, par exemple, pour des comptes un peu plus petits, bah c'est nous qui payons. Et donc là j'ai fait un petit peu avancer par rapport à ça, j'ai bien avancé par rapport à Instagram. Et là je vais faire mon montage vidéo de ma vidéo de mercredi. Donc là je suis sur mon compte YouTube. J'essaie de voir un petit peu où j'en suis. Et il faut que je fasse mon montage. D'ailleurs quelle va être la vidéo, parce qu'aujourd'hui on est mercredi en fait. Et j'ai pas réfléchi à la vidéo que j'allais mettre en ligne. Je pense que ça va être ma favori et flop, parce que mon vlog il est en cours. J'ai pas trop de vidéos d'avance en ce moment, j'avoue. J'ai pas le temps.
Vous savez, je vous ai parlé de jeux de société pour les enfants. Hier, du coup, on a fêté l'anniversaire de mes enfants avec les amis, les copains. Et ils ont fait des jeux de société, c'était mon idée. Et c'est des jeux que j'ai découverts dans mon école qu'on peut utiliser en classe ou à la maison. Et je voulais vous en parler. Donc, il y a Rush Hour, qui est un jeu un peu de stratégie pour pouvoir faire sortir les voitures du plateau. Donc, vous avez des cartes ici avec des façons de mettre les voitures. Voilà, je vais vous montrer l'image ici parce que le mien, il n'est pas fait. Donc, vous devez poser les voitures d'une certaine façon. Les cartes, elles vous aident hein, pour vous montrer comment poser. Et vous devez faire sortir la voiture rouge, logiquement. Si c'est bien la même chose. Ah non, là, c'est pas la voiture rouge, c'est l'ice cream. En tout cas, il y a une voiture que vous devez absolument faire sortir. Donc là, j'ai l'impression, aide le camion de glace. Ouais, c'est le camion de glace. D'habitude, c'est une voiture rouge, mais ça dépend le jeu. Aide le camion de glace à le faire sortir. Donc, c'est canon. Ça, c'est un jeu qui vaut moins de 20€ et qui est vraiment trop, trop bien. Pour jouer en autonomie, c'est top. Notre copine à nous a offert ça à Kezia. Enfin bon, c'est pour tout le monde hein, ici. Hein. C'est un jeu que j'ai découvert aussi à l'école et il est juste canon pour travailler la numération jusqu'à 10. Vous, alors je sais pas comment il s'appelle, je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que celui-ci, je ne connais pas vraiment son nom. Vous devez monter tous les nombres là jusqu'à 10, vous devez les monter en haut de 2 à 4 joueurs. Après, vous n'êtes pas obligé de jouer absolument à 4. Vous lancez les dés et là, vous comptez. Donc, les enfants comptent soit ont la stratégie de l'addition, soit comptent les petits points. Ça dépend vraiment de quel âge vous avez. Mon fils qui a 5 ans maintenant, mon fils qui a 5 ans que depuis quelques jours, eh ben, il y arrive très bien. Hein. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Donc, soit il descend, par exemple, là, ça fait 9. Soit il descend le 9, donc directement, là, paf. Soit il peut descendre tous les calculs qui font 9. Soit il descend le 5 et le 4, soit il descend le 6 et le 3 par exemple, ça dépend vraiment la stratégie qu'il veut. Le but c'est d'avoir tout baissé et comme ça on a gagné. Donc ce jeu là il est vraiment canon. Une autre copine a offert ce jeu là pour mes enfants qui est Blocus que j'ai découvert dans l'école où je travaille encore une fois. Et c'est vraiment canon, un jeu de stratégie pour bloquer l'adversaire où les pièces ne doivent pas se toucher sauf par un tout petit coin là comme ça, le petit coin. C'est que comme ça qu'on a le droit de poser les pièces et le but c'est d'empêcher l'autre de pouvoir poser toutes ses pièces. Et le dernier jeu qu'on a reçu pour l'anniversaire des enfants, c'est le Monopoly. Alors c'est un Monopoly junior pour débuter et un peu version mini comme ça, transportable facilement avec les enfants. Donc ça j'ai hâte de jouer avec eux aussi parce que je vous avoue que le Monopoly ça fait très 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 longtemps que j'y ai pas joué. On se retrouve en cette fin de samedi, tête de fin de journée. Avec le concours, le tirage au sort. Donc là, je suis sous ma dernière vidéo vlog. D'ailleurs, la dernière gagnante ne m'a pas contactée et j'en suis triste parce que c'est une abonnée qui est plutôt fidèle. Mais honnêtement, je ne vais pas m'amuser à vous contacter. C'est à vous de venir me contacter dès que vous avez vu votre pseudo apparaître ici. Et tant mieux. Mais moi, je ne vais pas courir après vous, malheureusement. Donc là, je vais remettre en jeu le lot de la gagnante qui ne s'est pas manifestée. Et je vais rajouter des choses, donc vous voyez tout ça directement là quand je suis en train de vous parler. Le lot du coup est assez gros, donc je suis sous ma vidéo et alors vous deviez me mettre « on pense à toi » par rapport à mon rendez-vous de carrière. Et donc vous avez plutôt joué le jeu, donc comme d'habitude je tourne ma molette comme ça et je m'arrête sur un commentaire et je vous le lis. Comme ça on verra bien ensemble. Alors, je vais vérifier évidemment avec vous que... Alors, il s'agit de Alina, mais Lina n'a pas mis le mot magique. Donc, elle a mis super joli ton sac. Combien a-t-il coûté? Et d'ailleurs, j'ai pas répondu, mince. Et des bisous. Bon, bah, du coup, elle ne participait pas au concours. Donc, on recommence. Elle parlait de mon sac Vuitton, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, du coup, vlog. Et allez. Alors, la gagnante est... Mordeuil, regardez qui, je sais pas si vous verrez, c'est Happy Together 17, je suis tombée sur elle comme ça, et donc elle me met, coucou, effectivement le luxe ne peut pas plaire à tout le monde, bon ça on en est d'accord, mais en aucun cas tu es différent, tu as raison de te faire plaisir, et je continue ta vidéo, et elle a pas mis le mot bonus, donc peut-être qu'elle participe pas au concours, dommage, oh Mélanie, donc si vous la connaissez pas, c'est Mélanie de la chaîne, du coup Happy Together 17, ma copine, donc on recommence sur notre lancée,
Il y avait moins de commentaires d'ailleurs sous cette vidéo, malheureusement. Donc forcément, plus de chances pour vous de gagner. Hein, mais il y en a plein qui n'ont pas joué le jeu. Alors, il s'agit donc le dernier. Là, je pense qu'on est bon. Hop, je vous montre. C'est les passions de Tiffany. Donc, coucou Karine, on pense à toi. J'espère que le salon du livre s'est bien passé. Bisous. Donc, notre grande gagnante de ce concours-là, c'est Tiffany. J'espère qu'elle passera par ici et qu'elle va me contacter par mail pour me donner son adresse pour que je puisse envoyer ce nouveau lot. Et je vous montre tout de suite le nouveau lot. Donc, le voici en image. Je vous ai mis des petites choses sympathiques. Évidemment, il y aura de quoi faire. Il y aura aussi des produits que j'avais déjà mis dans un concours mais qui n'a pas été remporté. Comme ça, je vais faire un mix. Donc je vais préparer un colis pour la fameuse gagnante du jour et garder une partie pour vous aussi pour les nouvelles gagnantes, histoire voilà, de vous favoriser à chaque fois. Donc là pour le nouveau concours, vous savez comme d'habitude il faut s'abonner, liker et mettre le petit commentaire que je vous ai déjà proposé dans la vidéo, le petit mot bonus qui est vitamine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'espère que là dans ce vlog un peu dernier, petit voyage, un peu voilà, découverte, un peu d'Harry Potter aussi vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très vite. Salut.